Salut tout le monde, ici yo, motherfucking boy Jimmy Simmons, yo man! De retour avec une nouvelle reaction et aujourd'hui je react à Kenny Arcana, la rage. Donc je me suis fait recommander ça man sur une de mes vidéos, je pense, de Soumeya. Donc tu sais, Soumeya elle a la rage aussi man, quand elle rappe elle est vraiment intense puis genre Christmas à notre dame man. Donc je pense qu'il y avait quelqu'un man qui m'avait suggéré d'aller écouter cet artiste là man, Kenny Arcana. Une rappeuse française peut-être, je sais pas si elle est française, mais je l'ai jamais entendue bro. Donc corrigez-moi si elle est pas française. Mais c'est ça man, je me suis fait dire qu'elle aussi en avait dedans. Donc on va aller l'écouter man, Kenny Arcana, la rage, il y a un clip avec ça, ça a l'air vieux man. J'ai cru voir que ça avait sorti en 2011, donc ça fait genre 10 ans bro. Fait que on va écouter ça, drette là. Kenny Arcana, La Rage, Johnny Simons, Reactions. Oubliez pas de vous abonner à ma motherfucking chaîne YouTube, bro, pour plus de fun, plus de reactions, plus de bars. Let's get it, y'all. La Rage du Peuple. Damn, la rage du peuple, man. Surtout en ce moment, man. En ce moment, ça brosse en crise dans le monde avec la COVID pis tout, là. Ça brosse en estime, man. Pis ça a pas fini de brosser, bro, man. Ça a pas fini, man. Ah! Oh, les images du 11 septembre, man. Damn! Kenny Arcana a speed, bro! Check ça comment elle a l'air enragé, bro, man! Et genre. Damn! C'est fou, man! Oh! Vole ton enfance, man! Et genre, c'est vrai que, man, la société veut qu'on devienne des adultes vite, qu'on travaille, qu'on soit responsable, qu'on s'endette, tout ça, man, tu sais. Ils nous enlèvent un peu, man, notre cœur d'enfant, man. Assez rapidement, man, à l'école, pis tout, man. Ils nous brainwash à ce qu'il faut devenir plus tard, pis tout. Pis, faut oublier qu'il y a des enfants, man, tu sais. C'est là aussi pour jouer, puis pour s'amuser, puis on est encore même des enfants en tant qu'adultes, faut pas l'oublier. Tu sais, la vie, c'est pas juste de travailler, de se faire chier, d'être stressé, man, puis de consommer. La vie aussi, c'est de s'amuser, d'avoir du plaisir, man, d'être heureux, man. Mais ça, si on prend pas ça dans notre société. Faut être responsable, puis être adulte, puis sérieux, puis... Yo, fuck that! De voir ce putain de monde s'auto-détruire et de voir que c'est des innocents, man, qui se font tirer, man, c'est vrai. C'est ceux-là en haut qui sont responsables de tout ça, mais eux autres se font jamais toucher, man. Ah! Car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et béton. Aurait-il peur de la nature, la rage? Bam! On a oublié qu'il en faisait partie des enfants. Mais dans quel monde la colombe est partie? La rage! Trop en balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais, la rage, d'avoir la rage depuis qu'on est mort. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener. Man, ça, tu joues ça d'une manifestation, man, cette track-là, man. C'est malade, man. Ça me donne le goût d'aller me manier de là, pis de me battre, man, contester le gouvernement, pis toute la reste de mesures dictature sanitaire, bro, man. Ah! Ah! Ah. Ah.
Ah, man, sérieux, Chris, qu'elle spit, man. La vérité, man, c'est fou, raide, ce qu'elle dit, man. C'est vraiment dope, man. Parce que l'argent OGM, tout l'argent OGM stérilise la terre. My god, man. T'as-tu quand c'est fou, man? C'est fou, red, bro. C'est fou, man. C'est débile, man. Calice. Merci pour cette recommandation-là. Tabarnak. Man, c'est sûr que Kenny Arcana, elle, elle va dans les manifs, man. C'est sûr et certain, bro, man. Croire et de faire en sorte que ça bouge. Faut y croire. Quand tu vas manifester, faut y croire, man. Les gens disent, oh, ça sert à rien de manifester, ça sert à rien. C'est pas vrai que ça sert à rien. Si tout le monde se lève ensemble contre la dictature sanitaire, contre les mesures qui vont trop loin, il va y avoir un réel changement. Si les gens arrêtent d'adhérer à tout ça, il va y avoir un réel changement. Faut arrêter de croire que c'est le gouvernement qui nous tiennent par les couilles, puis c'est eux qui ont le pouvoir. C'est parce qu'on leur donne le pouvoir. Les mondialistes, les multinationales, les gouvernements, on leur donne le pouvoir, man. C'est carrément, on leur donne, puis ils font ce qu'ils veulent, man. Mais si on arrête de leur donner, ils pourront plus faire ce qu'ils veulent, man. Tu comprends-tu? Tabarnak, man. Ça me donne le goût d'aller manifester, man. Il y a une grosse manif le 11 septembre. Pointez-vous le cul, man. À Montréal, bro, man. Contre la dictature sanitaire, contre le pass sanitaire, man. Moi, je vais être là, puis je vais à toutes les manifs parce que... Depuis le début, je vois que tout ça, man, c'est pour instaurer, man, des nouvelles bullshit, une nouvelle société, man, contrôlée, man. Le vaccin, c'est pour mettre le code QR. Après ça, ça va être l'identité numérique. Après ça, man, ça va être le crédit social. Puis là, si t'es pas vacciné, tu pourras plus rien faire, tu sais. T'embarques dans un engrenage sans fin, puis faut sortir de ça, puis faut se battre, man. Puis faut croire que d'aller manifester, ça va changer de quoi, man. Puis d'arrêter d'adhérer à ça, man, ça va changer. C'est tous les commerces. Tout le monde arrête d'adhérer à ça, ça va changer, man. Mais ils nous ont tellement bien divisés, man, que ça va être dur, man, de s'en sortir. Mais il faut se lever ensemble contre cette minorité-là. Ah, c'est vrai, man, l'élite, man, esti, ils gardent des vérités, man, qui pourraient changer l'humanité au grand complet, man. Mais c'est pas ça qu'ils veulent, ils veulent contrôler, man. C'est pour ça qu'ils nous gardent dans la peur. Quand ils ont instauré la peur, man, avec la COVID, là, ça a divisé les gens, man. Instaure un climat de peur, man, puis tu peux contrôler les gens, bro. C'est le pire que nous frôlons, la rage, car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon. La rage, car le mal tape sans cesse trop et que ne sont plus mis au bout du jour dans de grands apports. C'est malade. Yeah, on continue à se battre! Pour vrai, on est en guerre en ce moment, man. On est vraiment en guerre. On est en guerre pour nos droits et libertés. On est en guerre contre le gouvernement, contre les élites mondiales. J'avoue que là, on a l'air tout bien dans nos petites maisons, puis tout paisible, mais on n'aura pas le choix de tomber en guerre contre tout ça, man, pour que ça arrête.
on va vraiment être en guerre, il va vraiment falloir se battre. Regardez ce qui se passe en France, man, ça brasse en tabarnak, là, bro, man. Il montre pas ces images-là, mais ça brasse en hostie de calice, man. Les manifs, là, ça brasse raide, man. La gendarmerie, man, qui est là, puis qui tape le monde, puis tout le monde se bat, le monde se garage des objets, man. C'est vraiment intense, là. Quand est-ce que le Québec va se lever, man? On va amener ce beat-là dans une manif. La rage est énorme, bro, man. La lutte est comme un cercle. Elle peut se commencer à n'importe quel point, mais elle ne se termine jamais. Damn. Va toujours falloir lutter, man. C'est toujours ça, man. C'est toujours la paix, la guerre. C'est toujours la dualité, man. C'est toujours ça, le yin et le yang, man. C'est toujours ça, la vie, man. Mais ça forme un tout, puis on est là-dedans, man. Damn! Donc yo, c'était vraiment dope. Kenny Arcana, la rage, c'était fou raide, man. Ça m'a fait du bien d'entendre ça. Ça m'a donné la rage, man. Ça me donne le goût d'aller manifester le 11 septembre, man, à Montréal. Si, pointez-vous le motherfucking ass. Il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle Infomanif. Vous pouvez aller là-dessus, vous avez toutes les informations, man, sur toutes les manifs qui s'en viennent, toutes les manifs à travers le monde. Plein d'infos et tout, man, genre sur la COVID, man, à quel point c'est de la bullshit, puis à quel point c'est corrompu, puis ça fait aucun crise de sens, bro. Donc, si vous avez d'autres suggestions, droppez ça dans les commentaires, man. Puis, oubliez pas de vous abonner à mon motherfucking chaîne YouTube pour plus de fun, plus de reaction, plus de bars, let's get it, gang. Prenez soin de vous, élevez-vous, y'all. Peace!